All is well. Robert Adams. It's not what you say. It's not what you proclaim. It's what's deep, deep in your heart. That determines what happens to you. It is not reading books. It's not studying. It's not going to classes. It's sitting by yourself, becoming quiet, going deeper and deeper within yourself, transcending your mind and your body until something happens. When thoughts come to you, you simply ask yourself, to whom do these thoughts come? From whence cometh these thoughts? Follow the thoughts to their source. Find out the source of your thoughts. You will find that the source of your thoughts is I. Following the I thread to its source by asking, who am I? Or, what is the source of I? Where did this I come from? You will realize that the pronoun I is the first word that was ever spoken. And everything else is attached to I. Every other word, every other thought, every other feeling, every other emotion, they're all attached to the I. I feel happy. I feel sad. I feel sick. I feel well. I feel poor. I feel rich. Everything is attached to I. If the I becomes dissolved, so does everything else, and you become free. Find out from whom there is an I, and you will discover something amazing. You will discover that I never existed. There never was an I. You will discover that you never existed. There's no such thing as you. You will discover that you are the imperishable self, that you are never born and you can never die. You will discover that you are omnipotent, that there are no others, that there is no world, there is no universe, there is no God, there is not only the self. All this is the self. And all that you behold is the self. And I am is that. This will give you a feeling of freedom, of bliss, of happiness. You will not lose your awareness. Robert Adams. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que vous proclamez, c'est ce qui est profond, profond, profond dans ton cœur. Cela détermine ce qui vous arrive. Ce n'est pas lire des livres, ce n'est pas étudier, ça ne va pas au cours. C'est assis, tout seul, devenant silencieux. Aller de plus en plus profondément
en vous-même. Transcendez votre esprit et votre corps jusqu'à ce que quelque chose arrive. Quand les pensées te viennent, tu te demandes simplement à qui viennent ces pensées? D'où viennent ces pensées? Suivez les pensées jusqu'à leur source. Découvrez la source de vos pensées. Vous constaterez que la source de vos pensées, c'est moi. Suivez le fil de discussion jusqu'à sa source en demandant « Qui suis-je ?» ou « Quelle est la source du moi ?» D'où est-ce que je viens ? Vous vous rendrez compte que le pronom « je » est le premier mot qui a jamais été prononcé et tout le reste est attaché à moi. Un mot sur deux. Toutes les autres pensées, tous les autres sentiments, toutes les autres émotions, ils sont tous attachés au jeu. Je suis heureux. Je me sens triste. Je me sens malade. Je me sens bien. Je me sens pauvre. Je me sens riche. Tout est attaché à moi. Si le je se dissout, tout le reste aussi. Et vous devenez libre. Découvrez pour qui il y a un je. Et vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Vous découvrirez que je n'ai jamais existé. Il n'y a jamais eu de je. Vous découvrirez que vous n'avez jamais existé. Vous n'existez pas. Vous découvrirez que vous êtes le soi. Impérissable. Que tu n'es jamais né et que tu ne peux jamais mourir. Vous découvrirez que vous êtes omniprésence, omniscience, omnipotent, qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que le soi. Tout cela est le soi. Tout ce que vous voyez est le soi. Et je suis, c'est ça. Cela vous procurera un sentiment de liberté, de bonheur, de bonheur. Vous ne perdrez pas votre conscience.